Nous sommes le mercredi 13 juillet, il est 22h. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale du pays le 14 juillet. Également dans l'actualité, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros, préoccupé par la recrudescence des infections et des décès liés au Covid-19. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a adressé à l'avènement de l'anniversaire de la fête nationale française du 14 juillet un message à son homologue Emmanuel Macron. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter à l'occasion de la fête nationale de la République française amie. Nos félicitations les plus chaleureuses ainsi qu'au gouvernement et au peuple français en adressant en cette période festive du 14 juillet nos voeux de santé, de joie, de paix et de prospérité à la nation française, a écrit le président de la République dans ce message transmis au président français. Je vous remercie par ailleurs pour votre message de félicitations que vous avez bien voulu m'adresser pour le 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays et qui m'a été porté par votre émissaire, a noté le chef de l'État. Dans le même document, j'ai tenu à transmettre lors de l'entretien que nous avons accordé au porteur de votre message, le général Éric Bucquet, qui vous assure de notre amitié, mais également de notre attachement à cette relation que nous souhaitons exemplaire, comme vous l'aviez évoqué, sur les questions économiques et de coopération, a poursuivi le président de la République. Le président Guélé clôt son message en réitérant à l'occasion du 14 juillet ses vœux les meilleurs et les assurances de sa très haute considération à son homologue français Emmanuel Macron. Fin de citation. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a rencontré hier au Palais de la République la première promotion des jeunes bacheliers de l'école d'excellence. Les jeunes bacheliers ont tour à tour été accueillis par le président de la République qui leur a remis un cadeau. Au total, 37 jeunes bacheliers de l'école d'excellence ont réussi cette année avec brio, dont 24 lauréats ont reçu avec une mention très bien dans les séries scientifiques et littéraires. Le plus jeune bacheliers djiboutien cette année est aujourd'hui âgé de seulement 13 ans. Ce
jour de fête avec le président de la République aux côtés donc, des jeunes Bakchouli a été immortalisé avec la photo de famille. Le président Guélé a ensuite eu un bref entretien aux heureux récipiendaires du Sésame cette année scolaire 2021-2022 de l'école d'excellence. Le chef de l'État a félicité ces jeunes pour le travail et leur assiduité lors de l'année scolaire afin de réussir leur examen du bac, introduit par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustapha Mahmoud Mahmoud, auprès du président de la République. Cette première promotion bacchulière était accompagnée par le proviseur de l'école d'excellence, M. Rachid Abdillahi Miguel, ainsi que leur professeur. Dans cette édition de 22h, nous allons vous faire part d'un grand format sur l'école d'excellence, une occasion pour nous de revenir. Un magazine réalisé par le service information en septembre et qui nous a permis de rencontrer certains lauréates et lauréats reçus hier par le président de la République. Explication. Ces enfants rassemblés ici pour le drapeau et chantant l'hymne national sont des élèves de la prestigieuse école d'excellence. Les plus jeunes, comme c'est issu de la première promotion, observent chaque matin ces rituels avant de rejoindre les classes. Le patriotisme s'apprend dès la petite enfance. Parmi les gestes devenus quasi mécaniques, ces enfants se dirigent vers les robinets pour la traditionnelle séance de lavage de mains. Les nouveaux sont encadrés par les enseignants. Parce que la responsabilisation est au cœur de la politique de l'établissement. Un établissement qui est le fruit de l'implication personnelle du président de la République, Ismaïl Omar Guélé. C'est en 2017 que le chef de l'État a procédé à son inauguration. Objectif, former l'élite de demain. C'est pourquoi le chef de l'État va concéder à cette école les moyens de ses ambitions. Rien qui entrave un apprentissage des qualités ne doit manquer à l'école d'excellence. Parce que l'excellence, c'est ce qui est justement visé. Aujourd'hui, les enfants, on va apprendre la première leçon de géographie. La Terre, elle ressemble à quoi, les enfants? On lève les doigts pour parler. À tout le monde. En accédant aux salles des cours, on découvre très vite que l'enseignement dispensé aussi bien sur les plans pédagogiques qu'environnemental est complètement différent des méthodes classiques. L'établissement scolaire jouit d'infrastructures modernes et possède des salles de classe spécialisées dotées d'équipements et des matériels de dernière génération. Une place de choix est accordée au recours à l'informatique et au numérique dans les processus d'apprentissage. Ainsi, les smart classes ou classes intelligentes sont utilisées à tous les niveaux et dans toutes les matières, ce qui semblait être une phase pilote il y a près de 4 ans est devenu aujourd'hui un outil de tous les jours et les résultats sont incontestables. Unique en son genre, l'école d'excellence réunit toutes les conditions de la stimulation et de l'épanouissement intellectuel et personnel pour accroître les chances des réussites scolaires et professionnelles des élèves. C'est l'intitulé de ce chapitre, devant d'abord s'arrêter sur le terme révolution. Jusqu'au collège, les élèves cumulent 2 classes par année. Contrairement aux autres établissements, l'orientation au lycée s'est faite de la classe des secondes, ce qui permet à l'enfant d'être en avance. Cette année, l'école d'excellence prépare ses premiers bacheliers dans les séries scientifiques et littéraires. Le MENFOP vise 100% des réussites. Les futurs bacheliers n'ont que 14 ou 15 ans. Pour l'histoire, l'école d'excellence a commencé avec 5 classes et 125 élèves. Aujourd'hui, il faut compter 12 classes, dont 3 pour l'enseignement de base, 4 pour les collèges et 5 pour le lycée. Conséquence, l'effectif des élèves a plus que doublé. La qualité reste le fondement de l'établissement. Pour ce faire, un travail indispensable s'est fait en amont. Celui de la sélection des élèves et de leurs professeurs, comme nous l'explique le directeur. Les élèves sont sélectionnés parmi les meilleurs élèves de la République de Djibouti et les tests de présélection sont ouverts à l'ensemble des élèves qui sont en classe de première année, que ce soit le privé, public et même les régions.
on soumet de tests de présélection, mais aussi de tests de sélection finale. Ces élèves sont sélectionnés parmi les meilleurs élèves du pays. Les enseignants aussi sont sélectionnés parmi les meilleurs enseignants. Comme on évalue les élèves dans 3 carnets, on évalue aussi les enseignants 2 fois durant chaque année par une commission ad hoc. Les effectifs dans les classes ne dépassent pas le 25 élèves. Et vraiment, ce qu'on cherche, c'est la qualité et un enseignement de qualité. On innove constamment nos enseignements. Nous avons ici à l'école d'excellence des enseignements apprentissage de qualité. Le défi de la qualité a donc été relevé. L'école d'excellence est un des dispositifs à travers lesquels notre société entend mieux s'insérer dans un monde de plus en plus sophistiqué et de plus en plus intelligent, disait le président de la République en inaugurant cette infrastructure. Cette projection est déjà une réalité. Dans les classes, on parle déjà d'avenir et avec conviction. J'aime bien la littérature de 1 et j'aime bien lire, j'aime bien écrire aussi et j'aime bien parler plusieurs langues et je trouvais que cette série pouvait me divertir, être un bon choix pour moi. J'ai envie de devenir une entrepreneuse, partir dans le domaine de commerce et tout. Mais en même temps, pour la terminale, je suis déterminée à bien travailler et en L, c'est toujours un bon choix pour moi, je ne regrette jamais. Par notre travail et notre courage et notre persévérance, on est arrivé à ce point d'être en décalage de 2 ans, d'être en terminale S par rapport en seconde générale. Et je suis très ravi d'être dans cette classe et j'espère avoir mon bac, Inch'Allah. Je vais choisir la filière la médecine pour être docteur, pour aider les malades, tout ça. C'est mon seul avenir. J'aime aider les pauvres, tout ça. Je pense que si on continue comme ça jusqu'à l'université, on aura un bon avenir. Puisque cette école, elle nous donne des morales, car elle est la meilleure école de Djibouti, n'est-ce pas? Les enseignants nous apprennent bien. On a tout ce dont on a besoin. Je veux devenir un scientifique. Il est midi, l'un des moments les plus attendus de la journée. Pour plus de 200 élèves de l'école d'excellence, la retrouvaille dans les réfectoires autour du déjeuner qu'offre l'établissement. Pendant que les plus petits font la queue pour être servis, les autres attendent leur tour, une discipline que les enseignants tiennent à faire observer. C'est au total 7 cuisiniers et aides-cuisiniers qui sont mobilisés chaque jour pour préparer les repas. Des repas riches, variés et équilibrés, parce qu'une bonne nutrition joue un rôle fondamental dans le développement d'un enfant, ses résultats scolaires et sa productivité. Avec les enseignants et le reste du personnel, ce sont au total près de 300 plats qui sont servis au quotidien. Personnel et élèves se disent réjouis de pouvoir s'alimenter sur place et continuer à travailler après le plein d'énergie. C'est aussi un moment de détente, selon Mahdi Ibrahim, élève de terminale. La cantine, en fait, c'est un endroit où on peut manger et se reposer en même temps, après les cours. Parce que ici, c'est le seul moment où on peut manger, parce que toute la journée, on doit travailler. En plus, on a des plats variés tous les jours. Avec des outils d'apprentissage modernes, d'une bibliothèque complète où l'on apprend à aimer la lecture et d'une infirmerie pour le premier soin, l'école d'excellence est devenue la référence nationale d'un enseignement de haute qualité. Et voilà qui nous ramène de parler de cette opération de fermeture et de saisie dans les différents magasins et entreprises qui fraudaient l'impôt foncier. Cette opération intervient donc après les multiples déclarations qui ont été diffusées par l'hôtel des impôts, une équipe donc de l'hôtel d'impôts composée de 35 personnes divisées en 10 équipes. Chaque équipe étant accompagnée d'au moins 4 officiers de police rendus dans les différents magasins et entreprises qui ne payaient pas leur impôt. Cette étape de saisie des propriétés est une action réelle et efficace contre l'évasion de l'impôt foncier. Et pour plus de précisions, écoutons le directeur général des impôts, M. Saïd Guéledarar. Nous avons lancé aujourd'hui une opération de fermeture et de saisie. Cette opération poursuit
les suites de communiqués qui sont passés déjà à l'ARTD, qui informaient les chers contribuables de s'acquitter de leurs droits en matière de l'impôt foncier. Et donc aujourd'hui, nous passons à l'étape de saisie de voitures, saisie de salaire. Donc il s'agit d'une action réelle et effective. Et vous allez voir aujourd'hui les actions qui vont se passer sur le terrain. Donc nous acceptons ceux qui ne sont pas encore fait l'objet de saisie, de bien venir massivement payer leurs impôts. Appuyé par la police nationale, qui nous sommes avec un effectif de 35 personnes, donc nous avons réparti en 10 équipes. Chaque équipe sera accompagnée au minimum 4 policiers. Donc c'est une opération dont nous sommes confiants que ça va donner des fruits, Inch'Allah. Une cérémonie de lancement du programme d'assistance nutritionnelle a eu lieu également ce matin à la base logistique humanitaire du programme alimentaire mondial, le APK20. En effet, grâce au programme d'assistance nutritionnelle et surtout avec la participation du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales et de la DDS, le PAM sera en mesure de fournir des aliments nutritifs spécialisés aux enfants âgés de 6 à 59 mois. En outre, les femmes enceintes ou allaitantes qui s'occupent d'enfants de bas âge vont également profiter de ce programme d'assistance nutritionnelle. À noter que ce programme ne se limitera pas seulement sur Djibouti-Ville, mais également dans les régions de l'intérieur. À la fin de la cérémonie, une visite guidée sur le lieu a été donc offerte aux délégations présentes lors de la cérémonie de lancement du programme d'assistance nutritionnelle. Nous sommes dans un hub de PAM, du programme mondial de l'alimentation, qui est unique dans le monde. C'est le seul hub qu'on a de cette taille et qui donne ce service et qui gère cette quantité de nourriture qui passe pour cette hub. Et dire que je suis vraiment impressionné. Imaginez-vous la quantité de familles qui sont en train de manger aujourd'hui dans la CCRS, dans toute la région du Corne de l'Afrique, avec des nourritures qui a passé d'ici. Donc, un grand merci au gouvernement de Djibouti pour avoir ouvert cette hub, c'est très important. Merci aux PAM et les collègues qui travaillent ici, et merci à tous les bailleurs de fonds qui permettent qu'on puisse nourrir toutes ces personnes. Écoutons à présent la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales par intérim. Je voudrais juste rapidement rappeler qu'en mai 2000, cette année, le 10 mai 2022, les présidents de la République avait fait un appel aux membres du gouvernement, mais également à tous les partenaires, pour agir rapidement. Suite à cet appel, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a élaboré un plan d'urgence et de riposte sociale. Suite à ces plans-là, nous avons vite agi. Le gouvernement a agi rapidement en apportant une assistance alimentaire rapide, déjà pendant le courant de mois de mai, pour plus de 35 000 ménages djiboutiens qui vivent dans les régions reculées, mais également à Djibouti-Ville. Nous continuons également, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, avec le concours de tous les départements sectoriels, mais également avec les partenaires du système des Nations Unies, d'apporter cette assistance à la population qui en ont besoin. Autre opération, cette fois-ci, du contrôle des prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère du Commerce. Aujourd'hui, les inspections sont donc déplacées dans la commune de Boulaos, notamment à Ombouli et Jabel. L'objectif principal de ces opérations consiste de faire respecter les prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme, ainsi contrôler les dates d'expiration. Habituel des opérations de contrôle des prix et de la qualité, le ministère du Commerce ajoute aujourd'hui le contrôle des propriétaires du fonds du commerce. Pour cela, des fiches de renseignement seront présentées aux boutiquiers. Nous demandons à tous les propriétaires du fonds du commerce de faciliter le travail aux agents de contrôle en leur fournissant toutes les informations nécessaires.
Retour du groupe artistique RTD à Djibouti après la forte participation aux célébrations consacrées à la commémoration du 45e anniversaire de la glorieuse indépendance nationale en Belgique et à de nombreux festivals culturels internationaux en Europe. La troupe artistique de la RTD et du Palais du Peuple, ont regagné la capitale. La troupe, qui comprenait une dizaine d'artistes, a participé massivement à des festivals culturels organisés en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède et a démontré fortement la richesse culturelle de notre pays. A dit qu'il, le ministère de la Santé, par le biais du Centre national de transfusion sanguine, a organisé une journée de don de sang dans la ville de Lunéty. L'événement s'est déroulé au CMH de la ville de Dikil, en présence notamment du président du conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmad, du docteur Abbas, médecin-chef de l'hôpital et d'autres responsables. Rappelons que les poches du précieux liquide collecté feront l'objet d'une batterie de stock du Centre national de transfusion sanguine et par ce biais de sécuriser au maximum leur utilisation ultérieure à des fins médicales. Nous, la banque de sang de l'hôpital Pelletier, pour un don de sang de la population de la ville de Dikil. Il y a des centaines de personnes qui ont participé. En premier lieu, les militaires, l'armée de la ville de Dikil. Et en premier, le colonel Ibrahim. Nous avons aussi la jeunesse, les sages, l'ensemble de la population de Dikil qui ont voulu donner leur sang. Comme vous le savez, le sang, donner un sang, c'est sauver des vies, c'est sauver une personne dans l'urgence. Mais aussi, donner son sang permet à celui qui donne le sang de renouveler son sang. Et selon les médecins, c'est primordial. C'est important qu'une personne puisse donner son sang, se vider de sang pour avoir un nouveau sang plus neuf. Donc ça permet non seulement pour améliorer ta santé, mais aussi ça permet de sauver des vies, ce qui est très important. Donc nous avons aussi remarqué que ici nous n'avons pas un banque de sang, donc le sang des urgences arrive directement de Djibouti. C'est pourquoi nous avons voulu à ce qu'il y ait un don de sang de la population de Dikil pour pouvoir garder du sang en cas d'urgence. Je vous emmène cette fois dans la région de Tajora, plus précisément dans la localité de Daï, où l'Association pour le développement et la protection de l'environnement de la localité de Daï, en partenariat avec Djibouti Nature, point focal national du réseau, a organisé au village de Daï une campagne de sensibilisation à l'environnement, suivie d'une action de nettoyage des déchets domestiques. Cette manifestation a regroupé l'ensemble des habitants du village, notamment les Ukal Général, les membres de l'association Silido, les collégiens lycéens et universitaires natifs de la zone. Le sous-préfet de la circonscription du Randa, Dan Mohamed Daoud, a également pris part à la journée pour exprimer son soutien aux initiateurs du programme. Il faut aussi noter la présence de la section de la garde républicaine en poste à la résidence du chef de l'État, avec à leur tête le lieutenant Saïd Ali, que les habitants remercient au passage. Cette action est conduite dans le cadre du programme de durabilité environnementale et de résilience dans les pays de la Corne de l'Afrique, financé par l'Agence de coopération et du développement international de la Suède à travers le centre réseau l'Université d'Addis Abeba en Éthiopie. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, préoccupé par la recrudescence des affections et des décès, M. Tedros, donc, a déclaré au comité d'urgence que les infections liées et les décès dus au coronavirus sont en constante augmentation. Concernant la variole du singe, Tedros a déclaré: le comité d'urgence pour la variole du singe se réunira à nouveau la semaine prochaine. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Donc, Mohamed Ahmed Hamad vous retrouvera demain et après-demain pour le week-end. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. Inch'Allah.